Yo, consommateur de la Sansopic Des, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je sais pas, ça va sortir le lendemain, je pense. Hein. On doit être samedi, j'imagine, au moment où vous regardez cette vidéo. Je suis toujours en live, hein, en co-filmage, le vendredi matin. Je vous rappelle, hein, je suis en live, hein, 9h, 11h sur la chaîne Twitch. Et on va revenir un petit peu sur la débâcle du moment, sur Captain Tsubasa. Les notes qui ont complètement chuté, la râle, la grogne, puis tout ce qui s'est fait, l'appel au boycott, l'appel aux une étoile. On va revenir juste un petit peu dessus. Je sais pas combien de temps ça va durer, j'ai absolument rien préparé, hein, comme d'habitude. Voilà, je sais pas si Dead Dragon, par exemple, tu peux venir, hein, si tu veux. Salut, Karas Hai. Karas, ça marche Karas ou Rai, comme tu préfères. On va revenir un petit peu donc sur tout ça, voir ce qu'il en est, voir où est-ce qu'on en est, et puis je vais donner un petit peu mon avis, comme ça, voilà, on va en débattre, vu que je suis en live, on va en débattre. Moi ça va bien. Alors, pour ceux qui débarqueraient, parce que peut-être qu'il y en a qui jouent vraiment vite fait, puis qui regardent que mes vidéos, par exemple, vous avez le droit, hein, je trouve ça normal. et qui débarquent un petit peu en disant, mais c'est quoi le problème, il se passe quoi? Donc voilà, donc juste pour rappeler, il y a eu un ras-le-bol des joueurs assez violent. Voilà. Je reviendrai pas évidemment sur le fait que ça s'est fait sur d'autres jeux, sur le fait qu'en ce moment, de toute façon, en France, il y a un climat propice à ce genre d'action. Alors on va se concentrer uniquement sur Tsubasa, on va pas faire de la sociologie de comptoir évidemment. Sur le fait que on en a marre de la RNG excessive, non pas de la RNG, mais de la RNG excessive, ça je l'ai dit plusieurs fois, de bien faire attention aux mots qu'on utilise. Comme quoi, c'est pas normal que des S1 marquent à des S99, vu la différence de stats, quand on fait le calcul, on se dit mais what the fuck, c'est pas normal. Donc ça a beaucoup énervé les joueurs, les taux de drop, les portails, tout ça qui sont énervants comme c'est pas permis. Donc grosso modo, c'était les deux revendications principales. Et il y avait également une autre revendication qui était le farm, comme quoi c'est chiant de farmer. En permanence, à cliquer en permanence sur le bouton pour farmer, il n'y a rien qui est mis en place pour que le farm soit un petit peu plus cool. Donc, au niveau du farm, je vais commencer par le farm parce que il y a... comme ça on va évacuer. Ils n'ont absolument rien annoncé, hein. Pour l'instant, Club, ils n'ont absolument pas réagi sur le farm. Mais je pense que c'était pas vraiment dans le top des revendications, même s'il y a pas mal de joueurs qui demandent. Au niveau du farm, je pense que c'est surtout dû au fait que les derniers jeux qui sont sortis ont un système de farm qui est beaucoup plus friendly, on va appeler ça comme ça. Et donc du coup, je pense que c'est amené à devenir la norme, question farm. Et du coup Tsubasa est un peu sur l'ancienne méthode encore, donc il y a un petit peu... ils accusent le changement de façon de faire. Simplement pour vous expliquer, ça va être le cas sur Collection Hunter, c'est le cas sur Senseiya, c'est le cas sur KOF All Star, c'est le cas probablement sur d'autres jeux également. On peut lancer du farm en continu, c'est-à-dire qu'on peut dire... alors ça dépend des jeux, mais par exemple, lance 10 ou lance 20 fois le niveau, et le jeu lance véritablement 20 fois le niveau, il fait les matchs, et puis il relance automatiquement jusqu'à atteindre le nombre de fois demandé, ou qu'il n'y ait plus de stam, par exemple. Voilà, tandis que sur Tsubasa, on est obligé de cliquer à chaque fois. Ensuite, on a les fameux tickets zap et tout ça, donc ça existe pareil sur beaucoup de jeux, ce sont souvent des choses qui sont limitées. Voilà, faut savoir que sur Tsubasa, le problème, c'est que typiquement sur l'event qui est en cours, l'event à médaille, qui est en cours, il n'y a pas la possibilité d'utiliser les tickets zap. Donc déjà, c'est une utilisation qui est hyper restrictive. Et s'ils mettaient la possibilité d'utiliser les tickets zap sur les events de farm, comme celui-là, voilà, on peut regarder, voilà, pas de tickets zap possible. Et clairement, on n'aurait pas assez de tickets zap. Donc le problème, de toute façon, ne serait pas réglé. Pour le coup, tickets zap sur un event, c'est totalement normal. Sinon, ça ruine tout. Sur un event à points, oui.
Parce que l'event à points, c'est du. Comment dire? C'est. Les confs se bataillent pour être premier, les mecs se bataillent pour avoir un classement et tout ça. Là, il n'y a pas de classement. Les mecs qui payent pour en avoir penseraient le truc en 2 minutes. Et après, ils se feraient chier. Chacun son choix. Bon, voilà, bref. Mais comment dire? Mais effectivement, le farm en continu, c'est-à-dire là, lancer 10 parties, solo, lancer 10 parties par exemple, ça n'existe pas. Alors après, Tsubasa avait fait le choix de la confédération et donc du partage de stam, qui était un très bon choix, puisque ça a permis effectivement de monter des équipes, de discuter beaucoup, parce qu'on avait besoin de s'organiser, discuter beaucoup avec d'autres membres, et donc de créer des vraies communautés, de créer des vraies équipes et de créer des vrais liens entre les joueurs. N'est-ce pas? Donc ça c'était plutôt pas mal, ce qui a beaucoup baissé ces derniers temps parce que le farm mondial revient en permanence, en permanence, en permanence. Donc il y a, voilà, ils ont une révolution à faire, il y a quelque chose à trouver. Je sais pas si c'est dans leur priorité, ça a pas l'air. Mais il y a une petite révolution à trouver au niveau du farm. Mais bon, voilà, pour le farm, je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Alors, au niveau du boycott, ce qui était amené à ce que les joueurs ont appelé à faire, c'était à mettre une étoile sur le Play Store pour dire on veut plus, arrêtez vos conneries. Et je vais afficher le Play Store. On va regarder un petit peu la note qu'il a. Tac, 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 tac. Allez, fais-moi rêver. Et puis après, on va parler des conséquences hein, de tout ça, évidemment. Captain Tsubasa Dream Team! Voilà, on en est là. Alors, me lance pas de vidéo, s'il te plaît. C'est bon, pas de vidéo de lancer. Tac, 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 tac. Capture de fenêtre. Plaque. Voilà, donc on est à 2-7 et vous voyez effectivement qu'il y a. Alors, il y a 120 000 votes en tout et il y a une flambée de une étoile pour contester tout ça. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose a été de ne rien acheter dans la boutique. Voilà, un appel au boycott de la boutique pour couper les robinets de club. Et puis, il y en a qui disent ne pas invoquer. Pas invoquer, j'ai envie de vous dire. Si le portail est mauvais, n'invoquez pas, effectivement. Mais ça, c'est, je pense pas que ce soit un appel au boycott. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je relaye juste ce qui avait été demandé. Pas assez d'events en conf. La cup conf est pas top. Non, ça c'est beau. Il y a beaucoup de choses à revoir effectivement sur le conf versus conf. Et il y a des choses à creuser pour ça. Ouais. Ah, bon, je sais pas si forcément je reviendrai là-dessus. Pour moi, Club, ils ont deux points forts sur lesquels il faudra vraiment s'appuyer pour eux. Le PVP. Parce que le gameplay du PVP, avec tous les soucis qu'on lui connaît, mais on est quand même capable de faire en temps réel contre d'autres joueurs des vrais matchs en quelque sorte de foot. Je veux dire, il y a un vrai gameplay dans des jeux gacha sur téléphone, des jeux qui ont un vrai gameplay comme ça, qui fonctionnent bien. Techniquement, je veux dire, il y en a pas beaucoup quand même. Ça se compte même pas sur les doigts d'une main d'un mec qui a perdu un ou deux doigts dans sa vie. Donc c'est plutôt un point fort pour eux. C'est pour ça qu'il est vraiment pour moi il faut qu'ils mettent l'accent sur le PVP. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont renouvelé justement pendant le. Certains ont appelé le pire anniversaire de jeu ou je sais pas quoi. Je pense que c'est complètement exagéré. Mais sur l'anniversaire de fin d'année. Ils ont fait une refonte au niveau du PVP. Il y a beaucoup plus de récompenses sympathiques et tout ça. Ils ont remis l'histoire des divisions et tout. Enfin, ils ont fait vraiment quelque chose de bien là-dessus. Je pense qu'il faut le dire. Il reste à régler effectivement l'aspect RNG qui était de trop, beaucoup trop pour la plupart des joueurs, dont moi. Et donc ça, ils sont en train de bosser dessus. Non, on en reviendra quand on parlera de la RNG. Mais donc, le PVP, pour moi, c'est un très bon point du jeu. Il faut qu'ils mettent l'accent dessus. Et la conf. Moi, je vois certains jeux où il n'y a pas de. Comment dire? Bah, déjà, il y a certains jeux où il n'y a pas de conf. Il n'y a pas de guild ou de trucs comme ça.
Et il y en a d'autres où il y en a une, mais il n'y a pas de relation vraiment entre les joueurs, il n'y a pas de relation directe. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des échanges de fragments ou des choses comme ça, mais il n'y a pas de chat, il n'y a pas d'organisation, des choses comme ça. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, dès qu'un joueur en a un peu marre du jeu, bah, il joue moins, et puis il finit par arrêter. Tandis que là, vous en avez un peu marre du jeu, mais comme vous discutez en permanence avec les gars de votre conf, eh bah, vous vous faites des potes, tout simplement. Et même si vous en avez un petit peu marre du jeu, bah vous restez, vous continuez à jouer, tout ça, juste parce que vous voulez jouer avec vos potes, tout simplement. Le jeu vous intéresse moins, tout ça. Donc, vraiment, l'aspect conf, c'était un très bon point, qui malheureusement est en train un petit peu de, en train de baisser. Et il faut qu'il fasse quelque chose là-dessus. Je pense que c'est vraiment le deuxième point pour moi qui est important pour Club à bah, mettre l'accent. C'est un des deux points vraiment forts du jeu, à mon sens. Pour le PVP dans les prios, les modifs de formation à la mi-temps. Oui, ouais. Donc ça, ils l'ont entendu normalement, mais j'ai pas de copains. Mais si, t'as des copains. Des copains de circonstance, mais t'as des copains. Donc voilà, et je vais boire un peu, parce que je vais vraiment avoir soif, par contre. Hop là. Donc effectivement, il y avait dans leur revendication, il y avait à la mi-temps pouvoir changer de formation, pouvoir changer éventuellement à team skill et tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai vraiment envie depuis longtemps, parce que quand vous lancez un match en ligne, bah, vous savez pas sur qui vous allez tomber. Forcément. Et donc, à la mi-temps, bah, ça vous permet éventuellement de vous ajuster. Alors évidemment, l'autre aussi est capable de s'ajuster, mais du coup, il y a un petit mind game qui peut se mettre en place, qui peut être franchement sympa. Voilà. Un truc aussi au niveau des poules. Pour les Dreamfest et Dreamco à la nif cumulée, Dreamco, j'ai coupé 4 doublons. Ouais. Donc ça, c'est parti bah, des deux gros soucis. Donc c'est-à-dire que bon, là, j'ai évacué le premier souci du farm. Sauf si vous voulez revenir dessus, mais je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de choses à dire en plus. Il reste donc les poules et les poules et les RNG. Alors, au niveau des poules, ça va aller très très vite aussi, puisqu'ils n'ont rien changé et ils n'ont rien annoncé. Donc pour l'instant, rien de. Enfin, rien. Enfin, aucune réaction. Rien. Rien du tout. Alors, le prochain portail qui arrive, effectivement, c'est là où il y a le plus de SSR de garantie. Il y a 6 paliers, tout ça. Il y a pas mal de choses sympathiques dedans. Est-ce qu'on peut y voir un signe que ils ont une certaine volonté de s'améliorer? Je ne sais pas. Alors, les poules se sont quand même améliorées. Depuis le début du jeu. Maintenant, on a beaucoup plus de paliers avec des SSR garantis, on a beaucoup plus de réductions sur les premières multis, des choses comme ça. Donc, ils se sont améliorés. Mais voilà. Bah, malheureusement, bah, comme c'est en train de le dire dans le chat, bah, typiquement, le dernier live de Club, c'était assez sympa, hein. Ils font toujours des invocations donc, pendant leur live. Et ils ont fait 4 multis sans SSR. C'était sur le Dreamco. Hein, donc 5%. 4 multis sans SSR et un SSR tout rincé à la 5ème multi. Voilà. Et ça fait trop mal en fait. Ça fait trop mal. S'améliorer, ce serait d'espacer les sorties. Je sais pas, André. Ça dépend des jeux, en fait. Il y a des jeux où ça sort souvent, des jeux. Passer de 0 à 1, c'est s'améliorer. Est-ce que c'est assez? Je sais pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais il y a beaucoup plus de garanties. Ok, après, le problème, c'est qu'est-ce qui est garanti? Tomber sur des vieux joueurs de merde. Après, si je fais la comparaison avec un jeu qui est souvent mis en avant pour sa facilité de drop ou quoi, Dokkan Battle, ça arrive d'enchaîner les multis, de dropper plein de SSR puisque c'est SSR garanti à chaque multi, et de rien avoir, hein. D'avoir que des vieux SSR tout pourris. Ça arrive régulièrement.
Voilà. Après, ils ont mis, il y a pas mal de pistes d'amélioration pour les taux de drop. Notamment, ils ont mis en place les médailles sur les portails légendaires. Ça, c'est très bien. Parce qu'au bout d'un moment, au bout de 7 multi et demi, vous pouvez choisir votre joueur. Donc ça, c'est impeccable. Et puis après, c'est les fameux SSR garantis qu'on peut avoir sur les différents paliers. Je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux. Mais après, oui, voilà, c'est le principe du gacha. C'est-à-dire qu'effectivement, ils vont pas vous donner le SSR. Vous n'allez pas faire une multi et choisir votre SSR. Ça n'arrivera jamais. Et puis ça tuerait l'intérêt des invocations, hein, qu'on soit bien d'accord. Deux, trois persos. Nouveau par semaine, toujours les mêmes avec des couleurs différentes et des maillots différents. Et ça, oui, mais c'est le jeu qui veut ça déjà pour commencer. Et en plus, il y a pas mal d'anciens persos qui sont encore dans les teams. Hein. Je veux dire, tous les nouveaux persos qui sortent sont pas forcément indispensables. Oh, on l'a bien vu ce matin avec le portail suédois et le Jito. Mais si on regarde ma team principale, il est vieux. Ouais, il a un an quand même. Il a un an, le garçon. Il est vieux. Voilà. Et Jito, n'importe quoi. Gentile, c'est pareil. Il est relativement vieux. Même s'il est encore très bon, il est encore relativement vieux. Voilà. C'est pas, l'équipe ne se renouvelle pas avec des nouveaux persos toutes les deux semaines. Enfin, avec des nouveaux persos. Des nouvelles cartes des mêmes persos. Ça se joue également avec des anciens persos. Donc, je sais pas, je pense que c'est surtout un argument de joueurs qui sont saoulés du jeu, en fait. De dire, ouais, c'est toujours la même perso. Dokkan Battle, c'est toujours la même perso. Je prends Dokkan Battle parce que c'est un jeu plus ancien et qui marche toujours très très bien, qui fait toujours des top 1 et tout ça. Alors, tout vouloir en 2 multi, faut arrêter. Non, effectivement, c'est pas l'objectif de toute façon. Les doublons est une utilité, je crois. 4 doublons, ouais. 4 doublons est une utilité, après ça sert plus à rien. Donc autant te dire que dès que tu caches un petit peu, ça te sert rapidement plus à rien. Quand tu investis un certain nombre de TB, que tu puisses amortir le truc. Ouais. Alors le souci effectivement sur les drops qui sont où il y a vraiment rien de garanti. Je finis ma phrase. Où il n'y a rien de garanti. Le problème c'est que entre un joueur free to play comme moi et un joueur qui va mettre je sais pas 200 € par mois dans le jeu, la différence elle est pas folle quand même. Hein. Alors que la différence d'investissement elle est quand même assez violente. Mais la différence de drop, elle est pas, c'est pas fou. Donc effectivement, c'est toujours un subtil équilibre. Hein. C'est-à-dire que si vous dites, ok, le mec il met 200 € par semaine, faut vraiment que je le récompense, que je le remercie, que je lui donne des trucs. Ah bah là tout de suite, vous allez voir, levée de bouclier, crier au scandale, ouais, c'est un jeu pour cash player, nanana, nanana. Donc c'est toujours l'équilibre est toujours compliqué à avoir. Mais ça peut être très frustrant de mettre de l'argent à rien avoir, c'est très compliqué. Dreamco et Dreamfest des step-up. Alors du coup je sais pas ce que tu de quel jeu tu me parles ou exactement. Après si tu drops le perso voulu, c'est logique, ça garantit pas ton perso, mais un perso de la manière, ouais. Bah, disons que parce que le comment dire, les 7 multi ennemis pour choisir le perso que vous voulez, c'est énorme. Enfin, quand je veux dire c'est énorme, c'est en général dans les jeux pour aller acheter en boutique le perso que vous voulez avec des médailles, c'est pas 7 multi ennemis, hein. C'est beaucoup beaucoup plus. Donc là ils avaient fait des trucs absolument énormes. Ils peuvent pas mettre ça partout. Hein. On peut pas demander ça effectivement à un Dreamfest d'aller mettre 7 multi ennemis pour choisir le Dreamfest que vous voulez. C'est pas possible. Il y a un moment,
un moment, il faut accepter les règles du gacha. Mais on pourrait très bien, effectivement, se dire, là, on est sur 6 paliers pour SSR garantie en rate-up du portail, là. Bannière, un perso bannière. Bon, ça, ok, et puis, je sais pas, moi, 12 multi, vous pouvez choisir votre joueur, et puis voilà. Je pense que ce serait pas aberrant. Ça pourrait être pas mal, parce qu'en plus, bon, ça récompenserait les cash players, puisque... Enfin, les cash players. Ça, évidemment, quand on dit cash players, ça veut rien dire. Il y en a qui mettent 15 euros par mois, il y en a qui mettent 800 euros. Il y a des petites différences. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en payant, on atteint plus facilement le dernier palier. Et puis, ça récompenserait également les free-to-play économes, ce que je ne suis absolument pas. Mais au moins, quand je vois... Dell ou quand je vois Phase qui avait plus de 1000 Dream Balls à un moment, si en 1000 Dream Balls tu peux pas avoir un truc un petit peu garanti, bah c'est pas il y a un moment c'est pas normal quoi, c'est un peu violent. Pour les taux de drop, si on se pose 2 minutes qu'on réfléchit, on ne peut pas se dire qu'au début du jeu c'était 150 Dream Balls par mois grand max, aujourd'hui c'est facile 400. Ouais. Oui, on a beaucoup plus de Dream Balls qu'avant, ça c'est pareil, il faut le souligner, hein. les évolutions dans le bon sens du jeu, il faut les souligner également, on a beaucoup plus de Dream Balls qu'avant, on a plus de tickets SSR qu'avant, alors oui, je sais, ouais, tickets SSR doublon, ouais, bah, j'ai pas eu que de doublons, moi j'ai aussi eu des très bons persos sur les tickets SSR, et je suis sûr que vous aussi, bah, c'est juste que tout le monde parle de SSR doublon, donc... Bref, donc on a beaucoup plus de tickets d'invocation, des tickets SSR, on a beaucoup plus de Dream Balls. Donc là, le jeu va dans le bon sens. Hein. Encore une fois, les premières multis sont souvent, il y a souvent des réductions sur les premières multis, il y a beaucoup plus de paliers avec des SSR garantis. Voilà. C'est juste que bah, le Dreamfest et Dreamco, il y aura un truc à changer. Déjà, le 3 plus 1, ça devrait être systématique, je pense. 3 multi plus une gratuite. Je pense que ça pourrait être systématique. Mais bon, je suis pas là pour refaire le jeu non plus. Un pool qui comporte des persos totalement dépassés, ça te pourrit quand même pas mal les stats. Oui, mais ça, par contre, bah, typiquement, ça, c'est tous les jeux. C'est tous les jeux. Donc ça, pour éviter effectivement ce problème d'aller dropper un perso pourri du début de jeu en je sais pas combien de Dream Balls, c'est simplement le fait des paliers et d'avoir un perso bannière garanti. Voilà. Sacrifier 9 fois une mixeur pour en trouver 2 fois le même. Ça c'est beau. Hein. Oui, il y aura un système de doublons effectivement à trouver. À transformer éventuellement en fragments ou un truc comme ça. C'est vrai que typiquement c'est pareil. Hein. Tsubasa est basé sur les anciens. Évidemment entre guillemets. Les anciens gachas qui étaient sortis. Là, quasiment tous les nouveaux gachas ont un système de fragments de perso. Alors après, ça s'appelle fragments, ça s'appelle poussière, ça s'appelle. On s'en fiche. Mais voilà, effectivement, Tsubasa n'était pas là-dedans. Pourquoi pas le rajouter dans le jeu, un système de fragments, de choses comme ça. Il y a un truc à trouver. Bon, on va pas passer une heure sur les taux de drop, je pense. Puisqu'en plus, on ne peut faire que le constat et de dire « Ouais, mais il pourrait faire ça. » De toute façon, ils ont strictement rien annoncé. Donc pour l'instant, on peut pas... Si vous avez mis une étoile au Play Store, vraiment juste pour les taux de drop, parce que les RNG, ça vous arrange pas, effectivement, il n'y a pas forcément de raison que vous enleviez votre étoile. Bref, maintenant on va passer à la RNG. Parce qu'il faut avancer un petit peu. Alors sur le premier live, enfin le premier là, oui, le premier live qui a vraiment suivi la grosse grogne. Donc qui n'était pas ce jeudi-là, mais qui était le jeudi de la semaine dernière. C'était un live très compliqué. Déjà parce que Matt et Dora, enfin Dora était là pour essayer de faire bonne figure. Matt, clairement, il n'avait pas le courage de faire bonne figure. Parce qu'il a été saoulé de la réaction de beaucoup de joueurs. Moi, j'ai vu dans le chat, il y a eu les deux. Il y a eu des joueurs qui vraiment étaient à limite de mauvaise foi, à invectiver
Matt. Et puis, il y avait des joueurs qui essayaient de dire oh, « calmez-vous les gars, machin, tout ça. » Il y avait un peu les deux sur le chat. C'était un chat passionné, on va dire. Mais c'est vrai que Matt était assez désappointé du comportement et de ce qu'on reprochait. Alors, deux choses là-dessus. Déjà, effectivement, agresser les gens, ça ne sert pas à grand-chose. Ça n'a jamais marché. Et ne pas être modéré dans ses propos, c'est pareil, ça fait pas vraiment avancer les débats. Mais également dans l'autre sens, parce que de temps en temps, j'entends effectivement certains arguments qui disent oui, mais c'est pas Matt qui fait le jeu, c'est pas Matt qui est développeur, vous en prenez pas à Matt et tout ça. Ça, c'est comme dire, n'allez pas engueuler le guichetier à la SNCF, parce que lui, il y est pour rien. Sur le guichetier de la SNCF, il y a marqué SNCF. Il est représentant de sa société. Et évidemment qu'il y est pour rien, mais il est représentant de sa société. Donc, quand vous allez gueuler sur un guichetier de la SNCF, faites pas forcément ça. Vous ne gueulez pas sur le guichetier, vous gueulez sur l'entreprise qu'il représente. Quand vous gueulez sur Matt dans le live en disant « ça va pas, c'est de la merde », en fait, on n'est pas en train de gueuler sur Matt. Moi, je l'ai pas fait. Hein. Je dis « on » pour laisser le doute. Vous n'êtes pas en train de gueuler sur Matt, vous êtes en train de gueuler sur la société qu'il représente. Donc l'argument de dire « arrêtez, vous en prenez à Matt, il y est pour rien », ça dépend comment les propos sont formulés. Mais n'oubliez pas que Matt est représentant de sa société, donc c'est normal qu'on passe par lui, parce que c'est community manager, donc voilà. Mais effectivement, j'ai pas lu ton commentaire encore d'Alwagan, mais choisissez vos mots. Voilà. Donc c'est normal qu'on râle auprès de Matt, parce que c'est le représentant, mais ne râlez pas sur Matt, râlez sur la société qu'il représente, bien évidemment. Ils ont un plan de route. Oui, ils ont un plan de route, mais ils l'ont déjà dit. Hein, ils ont un plan de route sur plusieurs mois. Il faut les laisser un peu de temps pour rebondir. Alors, oui, les changements au niveau du jeu, ça prend toujours du temps. Surtout quand ce sont des changements qui changent un petit peu la structure du jeu. Donc ça prend toujours du temps. Après, il faut qu'ils discutent, faut qu'ils communiquent rapidement. Parce que ça, c'est ce qui est attendu par les joueurs. Donc, dans ce live d'il y a une semaine, ils avaient annoncé effectivement qu'ils voulaient rendre plus facile les scénarios. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas été voir. Ouais, mais c'est ce soir. Non, c'est demain, je crois. Les scénarios, dépassement des limites, ils ont parlé de la road et tout ça. Ça a gueulé en disant c'est de la merde, c'est pas ce qu'on veut, ils se foutent de notre tronche. Bon, c'est un peu excessif. Dans le jeu, il y a plein d'améliorations à faire. Il y a des grosses améliorations. Et il y a de petites améliorations qu'il est nécessaire de faire pour mettre à jour le jeu, pour qu'il puisse continuer d'évoluer. Donc, les limit breaks à bouger un petit peu et la road, etc. etc. Bon, il y a un moment, il faut le faire. Voilà. Donc ça sert à rien de râler là-dessus, parce que c'est dans l'évolution normale du jeu. Après, ils ont communiqué que là-dessus. C'était un petit peu maladroit de leur part. Bon, ils n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'ils fassent des efforts sur la communication. C'est un petit peu maladroit par rapport à ça, parce qu'ils auraient pu réagir effectivement sur les sujets qui étaient les plus importants. Mais moi, ça m'a pas posé de problème qu'ils annoncent des choses comme ça, puisque de toute façon, il faut le faire. Donc, allons-y. Faisons-le. Par contre, dans le live d'hier, effectivement, il a abordé le sujet de la mise à jour qu'on a vue donc, ce matin. Et qu'on va se remettre ça. Donc voilà, il parlait de ça, c'est parler des mises à jour. Et puis de ça qu'on a eu dans les news ce matin. Hier, il a dit les actions mettent parfois entre 6 mois et 1 an à être mis en place. C'est le truc qui m'a fait bizarre perso. En fait, ça dépend du nombre de développeurs qui sont. Moi, j'ai aucune idée du nombre de développeurs qui sont là, chez Clab. Mais il y a des trucs qui prennent du temps, effectivement. Et quand c'est un changement de structure, c'est compliqué. Là, pourquoi est-ce qu'ils ont changé la RNG là maintenant? Rapidement, au final. Hein.
Bon, ils ont dit qu'ils bossaient déjà un petit peu dessus. On peut les croire, hein. C'est pas un problème. Mais ça a été changé rapidement. Pourquoi? Parce que ce sont des variables qui sont à changer. Enfin, je veux dire, au lieu de marquer 5, vous marquez 7. Puis voilà, c'est fait, quoi, en quelque sorte. Ce qui prend du temps, c'est l'équilibre. Vous pouvez pas vous amuser à changer une variable comme ça pour et dire ok, ça passera comme ça. Non, faut tester le jeu, faut voir si l'équilibre n'est pas complètement rompu et choses comme ça. Mais c'est relativement facile. Changer à la mi-temps les orientations de ça, bah, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Voilà, un an pour corriger un calcul, c'est ce que j'étais en train de dire. Ça se torche en quelques heures. Donc oui, changer une variable, ça se torche, il n'y a même pas besoin d'une heure pour changer une variable. Mais pour la tester derrière, par contre, ouais, il y a besoin de plus de temps. Comme Matt disait, Clab est pourri en com. Il démontre pas une envie de changer. Au niveau de la communication, bah, on voit pas mes mains. Ah, typiquement, avant, il nous l'aurait jamais dit. On l'aurait découvert dans le jeu, à un moment, mise à jour, tiens, pof, une petite annonce. Il ne l'aurait jamais dit. Voilà. Bon, là, ils ne nous l'ont pas dit en avance. Mais en même temps, le sujet est brûlant. Donc, ça se fait rapidement, je veux dire. Mais, je veux dire, ça fait une semaine. Hein. Il n'y a eu que deux lives, ça fait une semaine. Pour savoir si effectivement ils vont évoluer sur leur communication, bah attendez un peu quand même. Attendez d'avoir le recul nécessaire pour juger, de savoir s'ils changent ou pas. RNG. Donc le souci de la RNG, effectivement, c'était qu'on en a déjà parlé, enfin vous le connaissez, hein. C'était qu'il y avait trop de RNG, c'est-à-dire que voilà, des S1 qui marquent à des S99, j'en ai parlé pendant la vidéo d'hier si vous êtes sur YouTube. Donc voilà, donc là ils ont effectivement marqué que ils allaient amoindrir tout ça. Donc quand ils ont annoncé ça hier, il y a eu une petite ola derrière en disant ouais mais ça va rien changer, c'est de la merde tout ça. Bah, on a demandé à ce qu'ils changent quelque chose. Ils ont changé. Et vous êtes toujours pas content. Faites un effort quand même. Faites un effort. Donc là, ce qu'il a bien dit hier, c'est que le changement, c'est. Changement, c'est maintenant. Ça aussi, c'est copyrighté, mais bon, bref, on s'en fiche. Donc depuis hier, si vous êtes sur YouTube, donc depuis vendredi matin, les changements ont été faits. Et ils ont dit, on l'a mis en place, ça veut pas dire que c'est parfait. Mais on va attendre le retour des joueurs, on va tester, ça va prendre 2 mois, ça va prendre 1 mois, 2 mois, on va tester, on va attendre le retour des joueurs et on ajustera de nouveau si nécessaire. Donc là, pour le coup, au niveau de la RNG, autant il y a une semaine, ils n'ont absolument pas communiqué là-dessus, autant là, je veux dire, on peut pas dire grand-chose quand même. Oui, effectivement, ils ont décidé de changer la RNG, la quantité de RNG, en tout cas sur les match-up. Voilà. Bon, ben, très bien, c'est tout ce qu'on demandait, donc impeccable. Impeccable par rapport à ça, maintenant, il faut juste tester. Voilà, donc ça, bon point. Voilà, si je résume, le farm. Bon, j'ai l'impression que ça intéresse pas non plus masse de monde. Ils n'ont pas communiqué là-dessus. Rien de plus à dire. Les taux de drop, ça râle. Ils n'ont rien changé pour l'instant. Ils n'ont rien communiqué. Donc, on est toujours en phase de râler. Et je suis un peu bas, moi, non. Et la RNG, ça râle parce que c'est pourri. Hop là. Et ça a pourri le PVP. Ils ont annoncé qu'ils avaient changé quelque chose. Ils ont changé quelque chose. Reste à voir si ça va marcher. Mais ils ont fait quelque chose. Donc là, on peut dire, ok, ça, c'est coché. On attend de voir, des résultats. Donc, pour en revenir sur le boycott, la grogne et tout ça, si les portails vous plaisent pas, effectivement, vous pouvez boycotter, on n'invoque pas. Ils ont décidé d'augmenter la RNG. Non. Non, non, sire, non.
relis, non. Les portails vous plaisent pas, vous invoquez pas. Tout simplement, vous pouvez continuer le boycott des portails, c'est pas un problème. Boycott de la boutique, puisque la boutique est liée au portail, évidemment, et pas liée à la RNG en match. Par contre, si vous aviez mis une étoile sur le Play Store à cause de la RNG, à ce moment-là, sachant qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont fait un pas en avant et que maintenant on est en phase de test, il n'y a aucune raison de laisser une étoile. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la note du Play Store, c'est hyper important pour un développeur. C'est pas pour rien qu'il y a des développeurs peu scrupuleux qui achètent des avis pour avoir des 5 étoiles très rapidement pour pouvoir être devant. Si ça n'avait pas d'importance, ils ne feraient pas ça, les gens. On est bien d'accord. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que le Play Store, Google, il regarde la note. Hein. Il regarde le nombre de téléchargements, il regarde le nombre d'avis, il regarde la note. Un jeu à 2,7, Play Store, il se dit, ok, c'est pourri, moi je le mets pas en avant. Donc c'est un jeu qui petit à petit va mourir. Alors Tsubasa a quand même pas mal de téléchargements, c'est un jeu qui est pas mal joué. Il y a des youtubeurs qui font des vidéos, il paraît, dessus. Voilà, bon bref, c'est un jeu qui a quand même une certaine visibilité encore. Mais petit à petit, c'est un jeu qui avec 2,7, c'est un jeu qui est voué à mourir. Puisqu'il y aura très peu de nouveaux joueurs. Je reviendrai dessus après, Sire. Je finis juste là-dessus. Parce qu'il y aura pas beaucoup, il n'y aura pas de renouvellement de joueurs. Voilà. Objectivement, le jeu ne vaut pas une étoile sur 5. On peut en avoir marre. Le une étoile, c'est vraiment pour dire vous faites chier, sanction, pof, direct. Mais c'est pas un avis objectif sur le jeu. Moi, si j'avais une note à mettre sur le jeu, je suis toujours dans la modération. Moi, donc, vous ne me verrez jamais mettre une ou cinq étoiles. Mais on va dire que je serais entre 3,5 et 4. Quoi. Parce qu'il y a des soucis dans le jeu, mais pourtant, j'aime bien y jouer. J'aime bien continuer à lancer ce jeu. Donc, voilà, je serai à ce niveau-là. Mais honnêtement, ce n'est pas un jeu qui vaut une étoile. Et si vous laissez une étoile, vous continuez à... Enfin, vous participez à tuer le jeu. Mais je vous dis pas, faut pas mettre une étoile, puisque c'est le seul moyen qu'on a de se faire entendre. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez râler ou tout ça. La fameuse majorité silencieuse. Mais là, c'est le seul moyen de se faire entendre. C'est que là, ça a un impact direct pour eux, et c'est hyper visible. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre une étoile, mais je vous dis juste qu'il ne faudrait pas laisser une étoile longtemps, sachant que le jeu ne vaut pas une étoile, et sachant que ça risque de faire mourir le jeu à petit feu. Donc, si c'était une étoile par rapport à la RNG, ils ont communiqué là-dessus, ils ont changé la RNG. Est-ce que c'est suffisant ou pas? On ne le saura pas avant pas mal de tests, pas mal de matchs et des retours sur les joueurs qui font beaucoup de PVP pour commencer, et ensuite retour sur les autres qui font un peu moins de PVP, donc ça se fera plus manière plus diluée dans le temps. Ne laissez pas votre note à une étoile, remontez la note du jeu. Ne serait-ce que pour dire ah, vous nous avez entendu là-dessus, merci, je remonte ma note en attendant le résultat des tests. Voilà, c'est juste un petit appel pour vous dire faites attention, parce que c'est le seul moyen de se faire entendre, vraiment, donc on le fait, il n'y a pas de problème. Mais faut pas que ce soit une situation qui dure, parce que c'est pour un développeur, c'est très violent. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire là-dessus. Alors, la RNG. Alors, tu dis qu'ils ont augmenté la RNG. Renforcera les chances de gagner le match-up lorsque le joueur a l'avantage. Alors attendez, c'est mieux écrit dans le jeu, je vais repasser sur le jeu. Tac 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 tac. Et je vais boire, je crève de soif. Alors voilà, c'est cette phrase-là que je voulais. Correction à la hausse des chances de gagner un duel pour le joueur ayant les paramètres les plus élevés.
Hop, petit aparté là, nous sommes l'après-midi, je vais juste faire un petit complément, enfin une correction, bref, on s'en fiche. Parce que s'en est suivi là, un petit débat qui s'est un petit peu embrouillé, qui a duré un petit peu, donc ça sert à rien que je vous balance. Ça, c'est pas, on s'est pas embrouillé, hein, c'est le débat qui était brouillon. Donc je préfère mettre un exemple par rapport à ça pour bien comprendre ce qui a été fait là-dedans. Puisqu'on parlait, ça augmente, ça diminue la RNG et tout ça. Voilà, on va bien voir ce que ça fait. Donc, correction à la hausse des chances de gagner le duel pour les joueurs ayant les paramètres les plus élevés. Ces paramètres comprennent en compte l'avantage type, le bon choix, la puissance des TS et des coups critiques. Ils ont oublié également, éventuellement, le passif bonne lecture du jeu. Mais bon, bref, c'est là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. Faut savoir qu'après le live, donc j'ai fait un match qui s'est très bien passé. Non, ça s'est pas bien passé, j'ai perdu. Mais au niveau des duels, il n'y a pas eu de vol, rien, ça s'est bien passé. Et on va regarder une action, notamment, où j'ai fait le dribble de Napoléon, dribble en ligne droite, et je me suis fait prendre la balle comme si de rien n'était, par un magnifique Misaki, avec sa magnifique interception, puisque tout est magnifique. Vous voyez, double crit argent. Et il m'a piqué la balle. Et l'idée, c'était de savoir, ok, est-ce qu'il y a eu vol ou est-ce qu'il n'y a pas eu vol. Ce qu'on est incapable de savoir, étant donné qu'on ne connaît pas le montant de l'avantage type, le montant du match-up et le montant du critique. On ne les connaît pas. Donc, on a simplement fait un petit tableau, et c'est ce qui va me permettre de vous montrer exactement sur quoi influe la RNG. Enfin, la mise à jour. Hop, alors c'est peut-être un peu petit. Est-ce que je peux augmenter ou pas? 150, ça fait à faire quoi? Bon, au moins, comme ça, vous voyez. Donc voilà, Napo Misaki. Napo, il a fait dribble, Misaki, il a fait interception. J'avais 14 979 de stats, il avait 18 246 de stats en interception. Donc, il était au-dessus de moi. Ma SP est à 212, sa SP est à 286. Donc, il était au-dessus de moi. Donc j'étais à 31 755, il était à 52 183, ce qui fait une différence de puissance de 20 428 entre nous deux. Sur ce, je suis rouge, il est vert. J'ai l'avantage type. Le 10%, c'est un exemple, d'ailleurs je vais vous en montrer d'autres. On va dire que l'avantage type donne 10% de stats en plus. On n'en sait rien, c'est arbitraire. Donc voilà, ce qui me fait gagner 3175 de stats en plus. Hop, je me décale sur la gauche. Ensuite, il y a le match-up qui rentre en compte. J'ai gagné le match-up puisque j'ai fait dribble et il a fait interception. Donc j'ai gagné. Je l'ai mis également à 10%, une histoire d'homogénéité. Ce qui me fait la même chose. Et ensuite, on a fait un crit tous les deux. Alors, crit argent, c'est pareil. Là, c'était 5%. C'est pour l'exemple. On pourra changer l'exemple après, c'est pas un souci. Ce qui me donne, moi, 1587 et lui, 2609. Oui, parce que sa valeur de base est plus élevée. Donc, c'est normal que 5% d'une valeur de base plus élevée donne un résultat plus élevé. Ce qui fait qu'au final, sur le duel, je me retrouve avec une stat finale de 39 700 et lui de 54 800. Ce qui fait un delta de 15 000 de puissance en sa faveur contre au départ 20 000. Donc oui, j'ai l'avantage type. Oui, j'ai fait le bon choix, mais avec ces valeurs-là, en tout cas, ça n'a pas suffi à ce que je prenne le dessus sur le duel. Il a récupéré la balle. Aucun souci sur ce duel-là. Ça m'a pas fait plaisir, hein. Mais aucun souci. Voilà, alors évidemment, les crits, visiblement, sur Reddit, ils ont dit que ça faisait 50, 100 et 200%. Ça me paraît un peu excessif. Mais pourquoi pas, hein. Il a d'autant plus de facilité à me piquer la balle. Si on se met exactement pareil, 50, 50, 50, on va dire 50 avantage type, 50 match-up. Ah ! Là tout de suite, comme quoi vous voyez que ces valeurs-là ont énormément d'importance, et le problème c'est qu'on ne les connaît pas. Là on est à égalité, hein. 80 000, on est à 79, 80 000, il y a 1000 de différence, on est à peu près à égalité. Donc là c'est on lance la pièce pile ou face. Assez facile. Alors, ce que Club nous a dit, c'est que correction à la hausse des chances de gagner le duel pour les joueurs ayant les paramètres les plus élevés. Voilà. Là,
Tac, 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 capture de fenêtre. Elle est là. Donc, ce qu'ils ont changé, c'est l'interprétation de ce résultat-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné plus d'importance au crit, puisque le crit vient avant. Voilà. Si le crit fait que 20% là ici, tac, j'ai d'autant plus de chances de gagner. Et vu que j'ai perdu la balle assez facilement quand même, à mon avis, c'est pas ça. Donc je peux me remettre à 10-10, puisqu'on va faire ce qu'on va faire 10-10. Voilà. Là, je suis largement perdant. Et donc c'est l'interprétation de ces résultats-là qui a changé. Et non pas l'apparition des crits qui est de la RNG. Et puis ce petit truc là qui est l'interprétation, c'est également de la RNG. C'est-à-dire que. Je vais reprendre, ça va être très simple. Hein. Voilà, là on est quasiment, c'est du 50-50. Hein. Je lance un dé à 6 faces, entre 1 et 3 j'ai gagné, entre 4 et 6 c'est celui qui a gagné. Voilà, j'aurais gagné le duel, il n'y aurait pas eu vol, il m'aurait piqué la balle, il n'y aurait pas eu vol, enfin il m'a piqué la balle. Il y aurait un ballon cafouillé, ça aurait été logique, parce que finalement on est quasiment à égalité. À condition que ces valeurs-là soient effectivement celles-là, ça... Malheureusement, on n'en sait rien. Et tant qu'on ne les aura pas, ces valeurs-là, et là, c'est un message pour Club, si jamais un bonbon ou un autre, vous me regardez, hein, tant qu'elle ne les aura pas, ces valeurs-là, il y aura toujours contestation de ce résultat-là. Parce que vous avez bien vu les différences énormes qu'il peut y avoir. Voilà, là, on est à quasiment égalité, alors que si je change les valeurs sur des valeurs, moi, qui me semblent plus raisonnables, je perds de 15 000. Ce qui n'est pas du tout pareil. Donc voilà, simplement pour expliquer comment ça se passe au niveau du duel, comment est-ce qu'on a les... Donc là, effectivement, il n'y a pas le passif bonne lecture du jeu, mais il n'y en a aucun des deux joueurs qui a ce passif-là. Mais comment ça se passe au niveau du duel pour les calculs des puissances, ce qui est très bien décortiqué dans Tsubasa 0, d'ailleurs, au moment d'un duel. Hein, et c'est donc simplement cette interprétation, pareil, qu'ils ont changé. Je ne sais pas trop comment illustrer ça. Mais grosso modo, avant, ils considéraient qu'il y a, par exemple, qu'il y avait égalité à 5000 d'écart. Maintenant, c'est peut-être ils considèrent qu'il y a égalité qu'à 1000 d'écart. C'est un exemple, c'est très bête comme exemple, c'est peut-être un petit peu trop simpliste, mais l'idée est là. Voilà. Allez, je vais en finir le live. Le meilleur exemple, ce sera en match. De toute façon, c'est en match que ça se vérifiera. C'est tout. C'est tout. Mais simplement pour dire que non, ils n'ont pas augmenté la RNG au niveau des critiques. C'est qu'il y a la... C'est tout ce qui permet de prendre l'avantage dans le duel permet de maintenant de gagner plus facilement le duel. Non, salaud ! Ah, je l'ai vu tout de suite. J'ai vu le crit, j'ai vu tout de suite. Bon, c'est normal en même temps, mais bon. Allez, on va faire un petit alligato. Bon, en tout cas, c'était un match propre. J'en ferai pas un deuxième, parce que malheureusement, j'ai pas le temps. Mais c'était un match propre. Voilà, il y a eu 2-3 trucs, mais encore une fois... Il y a toujours de la RNG dans le jeu, et heureusement d'ailleurs, ça permet de mettre un petit peu de piment quand même, sinon on se ferait un peu chier. Mais en tout cas, c'était un match propre. Voilà, à voir sur la durée. Je peux peut-être aller faire un tour éventuellement dans le salon de PVP. Alors si je vais dans le salon de PVP de Saint Seiya, ça risque d'être compliqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas été... Ok, donc pour l'instant, il n'y a pas de match, je vois rien. Il n'y a rien. Bon, eh ben écoutez, on verra dans le temps. Pour moi, ça ressemble à un match exactement comme avant. Oui, mais avant, on avait aussi des matchs normaux. Hein. C'est normal. Mais bon, c'est pas sur un match qu'on va se faire une idée. Parce qu'avant, il y avait des matchs normaux de temps en temps et des matchs complètement pourris. Également, donc à voir. Donc dans le montage de cette vidéo, normalement je vous mettrai les calculs des différents duels. Je vous mettrai pas tout le match. Enfin, je dis ça, le match est déjà passé au moment où je dis ça, donc ça sert à rien que je dise ça. Bref, surtout pour le live en fait que je dis ça.
Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je sais absolument pas comment est montée cette vidéo, parce que ça a blablaté pendant plus d'une heure. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, à me donner votre point de vue. Voilà, et à argumenter, n'hésitez pas, parce que c'est important d'argumenter. Voilà. Et puis à très bientôt sur Socken Games pour d'autres vidéos, d'autres lives, d'autres folies. Ciao, ciao, Jana. Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si c'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile. Et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook. Et je te dis à tout de suite.